Bienvenue, ravi de vous retrouver sur France 3 Centre-Val de Loire dans Histoire de vous dévoiler le parcours d'un cinéaste à l'éclectisme étonnant qui n'a pas hésité à prendre des risques tout au long de sa carrière en s'essayant à différents registres. Durant 50 ans, il a tourné avec une régularité exemplaire et lorsque son nom retentit immédiatement, nous pensons à l'un de ses plus grands succès, Les Bronzés. Voici l'histoire de Patrice Lecomte. Bienvenue Patrice. Merci. Merci bonjour. D'être avec nous sur France 3 Centre-Val de Loire. Qu'est-ce que ça vous fait de venir parler de votre carrière dans la région où vous avez grandi ? Ça me fait un effet pas bizarre, mais je suis très attaché à la province, étant donc en effet provincial moi-même, puisque j'ai passé toute mon enfance et adolescence à Tours, oui. Pas trop loin d'ici. Et chaque fois que je vais traînasser en province, je suis heureux, parce que je me sens si peu parisien, bien qu'habitant Paris bien sûr, qu'ici je me sens mieux. Alors avant d'évoquer vos souvenirs justement en Touraine, on va regarder ensemble les temps forts de votre carrière. Né à Paris et issu d'une fratrie de 3 frères et sœurs, vous passez les 20 premières années de votre vie dans la région, à Tours, où vous commencez dès votre adolescence à tourner des courts-métrages amateurs. Cette passion pour le grand écran, vous la vivez pleinement en intégrant à la fin des années 60 l'Institut des hautes études cinématographiques. Votre formation aiguise votre regard sur le 7e art et vous écrivez quelques critiques pour les cahiers du cinéma, mais réalisez aussi de nombreux spots publicitaires. Touche à tout, vous écrivez et dessinez en 1970 pour le journal Pilote, dirigé par l'auteur de bande dessinée Gottlieb, et ce pendant 5 ans. 2 de ces personnages vous inspirent et vous en faites une adaptation audacieuse avec Coluche et Jean Rochefort dans Les WC étaient fermés de l'intérieur. Le succès vient avec le film culte Les Bronzés, dans lequel vous réunissez la troupe du Splendide. Je mets au défi les gens qui verront ce film et qui ne savent pas que c'était une pièce de café-théâtre. Au défi. De se dire, ah oh, oui, ça fait café-théâtre. 92, 5e. Vient ensuite une série de comédies toutes très populaires. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Ma femme s'appelle Reviens ou encore Circuler, y a rien à voir. Et puis vous choisissez de multiplier les registres, tantôt policiers avec Giraudot et Lanvin dans Les Spécialistes, tantôt dramatiques avec Le mari de la coiffeuse et Ridicule, qui est couronné des Césars du meilleur réalisateur et du meilleur film. Curieux, vous vous lancez aussi dans le film d'animation avec Le magasin des suicides. Vous savez vous entourer des plus grands et les plus grands aiment tourner pour vous, sans doute parce qu'ils apprécient votre humour et votre simplicité. Alors Patrice, justement, cette simplicité, vous la devez à l'enfance que vous avez passée ici dans la région ? Je ne sais pas si la simplicité est un truc purement tourangeau. C'est possible, notez bien. Mm-hmm. Mais non, c'est une question de caractère. C'est que je me suis jamais vraiment pris au sérieux. J'ai toujours fait ce que j'ai entrepris très sérieusement, avec passion, ça évidemment. Mais les gens qui se prennent au sérieux sont tellement ennuyeux, quoi. Et donc c'est le piège numéro un que j'essaye d'éviter. Et quelles sont les atmosphères qui vous ont marqué dans la région durant votre enfance ? La Loire. Oui, la Loire, vraiment. C'est-à-dire que j'aimais les bords de Loire, j'aimais traîner, parce que c'est un fleuve magnifique, assez cinématographique aussi, même si je ne l'ai jamais filmé. Ah, un peu, mais pas beaucoup. On le voit sur ces images remarquables. Oui, et c'est un fleuve plutôt attirant, parce qu'il y a des bancs de sable, des trucs, on a l'impression qu'on pourrait se baigner. Et c'est un fleuve vachement dangereux, parce qu'il y a des trous d'eau, il y a des morts tout le temps, des noyés. Et vous y revenez régulièrement ? Alors, pour tout vous dire, je revenais assez régulièrement à Tours, quand mes parents étaient encore de ce monde, et ma maman est partie cet été, donc j'ai plus de vraies raisons de venir à Tours. C'est pour ça que je viens à Orléans, chez vous. C'est un plaisir, en tout cas, de vous accueillir. Où est-ce que vous avez fait vos études à Tours ? J'étais monomaniaque. Le lycée Descartes. Et le lycée Descartes, au moment où je l'ai fait, parce que je vous parle de ça. Le lycée Descartes. Moi, sa jolie façade également. Ça commençait à la maternelle, enfin à la 10e, à la 11e, ça s'appelait comme ça. C'était pas CP, CE. Et j'ai tout déroulé jusqu'au bac. Donc le lycée Descartes, chaque centimètre carré, non pas m'appartient, mais je connais chaque centimètre carré. Je suis retourné il y a quelques années et ça avait vachement changé parce que la grande cour, le préau, ils avaient construit des classes, des trucs. Enfin bon, en tout cas, le bâtiment historique est toujours présent. Comment vous avez exploré le 7e art à Tours ?
D'une manière assez simple, d'abord parce que mon père, qui n'avait rien, il était médecin, et il n'avait rien à voir avec le cinéma, mais il était très cinéphile. Et donc, il nous emmenait beaucoup au cinéma, il m'a communiqué sa passion, bien sûr, mais pour avoir connaissance du cinéma, avoir accès au cinéma, j'allais dans les salles populaires, le Caméo, le Majestic, l'ABC, etc. Et puis, j'allais aussi, c'était la naissance des studios, oui, qui ont été très importants, qui deviennent une institution, c'est mérité à Tours. Et puis, il y avait à Tours un truc formidable, qui était le Festival international du court-métrage. Et ça, alors, ça a été le déclencheur, je ne sais pas, mais à ce festival, je me disais, confusément, je peux en faire autant. Et d'ailleurs, justement, à ce propos, il y a 3 ans, vous avez signé la préface d'un livre écrit par Donatien Mazani, un historien local, Tours, capitale du court-métrage. Cet ouvrage, il retrace un petit peu justement ce que vous avez vécu à l'époque et l'univers prestigieux de ce festival. C'était tellement prestigieux qu'on y voyait des courts-métrages de gens qui n'étaient pas connus, mais qui sont devenus extrêmement connus. Moi, j'ai vu des courts-métrages de Robert Enrico, qui a vu le Grand Prix, d'ailleurs. J'ai Tati, Demi, etc., par exemple, aussi. Alors, Demi, Polanski a présenté ses premiers films, Carlos Villar-Debeau, qui est moins connu, mais William Klein, ou des gens comme ça, Agnès Varda aussi, bien sûr. Et aujourd'hui, à Tours et dans l'agglomération, cinéma reste très présent, notamment grâce à l'association Cinéoff, à Sainte-Maure-de-Touraine. D'ailleurs, il y a une salle qui porte votre nom depuis une douzaine d'années. Oui, je suis très, très fier, parce que de donner son nom à une salle de cinéma, de son vivant, de surcroît, c'est plaisant parce que il y a pas 40 salles en France mais il y a une salle à La Ciotat aussi. Mais la première et la plus chère à mon cœur, c'est celle de Sainte-Maure. Et cette association, donc, qui a été créée il y a 35 ans, a pour rôle la promotion du cinéma dans les quartiers et aussi dans la ruralité, c'est très important. C'est cette conception justement qui vous a séduit? Ben oui, parce que c'est l'anti-multiplex. Le multiplex, c'est super, c'est des très bonnes conditions de vision des films et tout ça, c'est parfait, c'est pas contre le multiplex. Mais c'est vrai que le cinéma qui va vers les gens, ils font des projections en plein air quand la belle saison arrive, sur des écrans qu'ils gonflent et tout ça. Enfin, c'est une démarche, ce cinéma itinérant, presque comme autrefois. Ce cinéma paradiso, encore aujourd'hui, c'est chic. Et tout cela, c'est grâce à son fondateur, Jean-Claude Joulin, qui va nous parler justement de cette association, de sa vocation, de ses souvenirs aussi avec vous. Et vous allez voir qu'il a aussi une proposition à vous faire. Ah. J'ai rencontré personnellement Patrice Lecomte pour le parrainage de notre association Cinéoff. Le Cinéoff, au départ, qui a été créé en 1983-84, était un circuit itinérant de cinéma. C'était à l'époque où toutes les salles de cinéma en milieu rural fermaient. 30 ans après, nous avons à peu près 100 000 spectateurs, 30 salles dans lesquelles nous intervenons et 10 salles fixes de cinéma qui ont un équipement complet de salles de cinéma. Eh bien, sous un aspect physique peut-être un peu sévère, c'est quelqu'un de très sympathique et très chaleureux. Patrice Lecomte aime bien le fromage de chèvre de Sainte-Maure et accompagné d'un bon vin de Chinon. Mon meilleur souvenir avec lui, c'est évidemment quand on a fêté les 10 ans de l'association Cinéoff dans une salle à Sainte-Maure-de-Touraine. Il était là, en présence du président du conseil général, du maire de la commune et d'une salle qui était pleine, bourrée, à la venue de Patrice Lecomte. Nous aimerions mettre en place, peut-être dans un futur proche, un mini-festival rural en région centre dont il assurerait la présidence. Patrice, merci. Merci pour ton aide et surtout ta bienveillance et ton encouragement à nos petites structures qui ont bien du mal à continuer à vivre en milieu rural. Patrice est un réalisateur assez unique en son genre, parce qu'il touche au niveau de la variété de ses films, du film en costume à la grande comédie type Les Bronzés font du ski, à des films beaucoup plus d'auteurs type Monsieur Hir, Ridicule. Et donc c'est un des réalisateurs qui a, je trouve, la plus grande variété dans le choix de ses sujets de films. Merci Patrice, et à bientôt. Peut-être pour notre prochain festival. Alors justement, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Claude? De toute façon, ce serait odieux de répondre non. Ce serait un peu présomptueux de répondre oui.
Mais de répondre pourquoi pas, et avec plaisir, ce serait la réponse idéale. Quoi. Très bien. Alors, diffuser des films auprès d'un large public, c'est le leitmotiv de cette association Cineoff. Est-ce que vous, quand vous êtes lancé en 1975 dans la réalisation de votre premier long métrage, Les WC étaient fermés de l'intérieur, vous aviez aussi la préoccupation de sa visibilité, de son exposition? Non, sincèrement, je m'en foutais pas, bien sûr, mais ce n'était pas ce qui me préoccupait le plus. Ce qui m'avait préoccupé, c'était de mener le film à bien, qu'il soit le plus conforme à ce que j'avais en tête. Mais après, l'exploitation elle-même, c'est Gaumont qui avait produit et qui distribuait le film. Je me disais, bon, ben voilà, ils connaissent leur métier, moi je connais le mien. Et puis, et après, petit à petit, je me suis intéressé aux sorties de films, combien de salles, combien d'entrées, le premier jour, ah bon, ça baisse, ça monte, etc. Puis maintenant, c'est forcément passionnant. Je ne sais pas si c'est passionnant, les chiffres, mais c'est important. Oui, évidemment. Dans cette première grande réalisation, vous avez réuni deux grandes figures, hein, Coluche et Jean Rochefort. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le tournage reste quand même un moment épique. Affreux, c'est un cauchemar. Mm-hmm. C'est un cauchemar, parce qu'avec avec Coluche, c'était bien, mais avec Rochefort, c'était affreux. Il était anéanti d'avoir signé. Il m'a pris pour un branleur ou je sais pas quoi, mais c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai retrouvé après, parce que je voulais absolument lui prouver qu'il s'était trompé sur mon compte et que j'étais un type formidable. Mm-hmm. Un petit peu prétentieux de ma part, mais bon. En tout cas, l'ambiance sera tout autre hein, dans l'un des plus grands films cultes du cinéma français maintenant, hein, Les Bronzés. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 22 novembre 2018. Cela fait 40 ans, jour pour jour, justement, qu'est sorti en salle hein, ce premier numéro des Bronzés. Et il n'y a pas un gâteau d'anniversaire. Si, bah, vous allez voir, il va arriver, pardon. Vous l'avez deviné. C'est grâce à Agathe qui nous apporte, vous le voyez. Pardon. On exauce vos voeux hein, dans l'histoire. Non, c'est pas... voilà. J'ai dit ça par... Les 40 ans des Bronzés, quel regard vous portez justement sur ce succès 4 décennies plus tard? Ah ben, un regard ému, amusé, un regard enthousiaste en tout cas. C'est-à-dire on ne pouvait pas s'imaginer quand on faisait ces films qu'on était en train de faire un film inusable, quoi. Des films inusables. Oui, parce qu'après, une année plus tard, justement, il y a eu Les Bronzés font du ski et en 2006, Les Bronzés 3, Amis pour la vie, avec quand même 10 millions d'entrées. Il semblerait, ces derniers temps, que vous évoquiez la réalisation d'un quatrième volet. C'est une blague, finalement. Non, parce qu'à l'occasion de l'anniversaire des Bronzés aisés et des Bronzés font du ski, la question m'a été posée, bon, vous avez fait le 3, et quand est-ce qu'il y aura un 4? Et que, comme, au lieu de dire non, il n'y aura pas de 4, puisque de toute façon, après le 1, on disait il n'y aura pas de 2, après le 2, on disait il n'y aura pas de 3. Et donc là, je leur dis, ah bah, on va faire un 4, oui, bien sûr, on va faire un 4 en maison de retraite, avec des très, très vieux. Ça vous amuse, finalement, d'en parler comme ça? Hein? Ça vous amuse d'en parler bah comme oui, ça? Bien sûr, c'est vrai que si ça se faisait, ce serait marrant à faire, mais je pense que ça ne se fera jamais. Et il y a des gens qui ont repris cette information au bon et qui j'ai eu des coups de fil de RTL. Alors c'est vrai, vous faites Les Bronzés 4 en maison de retraite? Non, c'est un faux bruit. J'ai dit, faut essayer de pas dire n'importe quoi parce que c'est tout le temps pris pour argent comptant. Voilà, en tout cas ici c'est vérifié. Par exemple, quand j'ai ça dit vous n'avez pas de gâteau, gâteau. Alors à partir de 1985, vous avez laissé de côté durant un temps la comédie pour vous consacrer quand même à un cinéma que l'on appelle d'auteur, notamment avec Tandem où Jean Rochefort donc est de retour. Finalement, il ne vous a pas tenu rigueur du premier tournage. Pourquoi vous avez décidé de changer de registre à l'époque dans ce film, avec ce film Tandem et Gérard Jugnot aussi qui était présent? Oui, alors en fait, c'est pas tellement avec Tandem que j'ai changé de registre comme on dit. Mais c'est avec le film d'avant, qui était un film d'action, d'aventure, avec Lanvin et Giraudoux, qui s'appelait Spécialiste. Et je me souviendrai tout le temps de Christian Fechner, qui était un producteur absolument génial, et avec qui j'ai fait plusieurs films, et qui un jour m'avait dit, est-ce que vous comptez faire de la comédie toute votre vie, Patrick? On se voyait, on avait beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et je ne m'étais jamais posé la question. Et je lui avais répondu, oui, non, pourquoi? Et c'est lui qui m'a dit, voilà, film d'aventure, d'action, d'aventure, Le Casse du siècle, La Côte d'Azur, Lanvin, Giraudeau, vous êtes partant ou pas? Je lui ai dit, c'est super. Et c'est à partir de là, à partir des spécialistes, que je me suis dit... Tiens, c'est vrai, dans le fond, je ne suis pas obligé de faire des comédies toute ma vie. Alors, il y a un autre duo aussi hein, qui a marqué votre filmographie, celui d'Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, aux côtés de Vanessa Paradis, dans le film Une chance sur deux, sorti en 1998. 20 ans après, Alain Delon vous a demandé de faire son dernier film. Où en êtes-vous? Le projet est à l'eau. Ah, il est à l'eau, finalement. C'est fini. C'est un homme... Je l'aime beaucoup, cet homme-là, mais il est imprévisible aussi. C'est-à-dire qu'il peut...
Non, le projet est à l'eau. Alors j'évoquais Vanessa Paradis. On a écrit le scénario, il m'a téléphoné en pleurant en disant c'est le plus beau scénario que j'ai lu. Il était enthousiaste, quoi. Mm-hmm. Toutes les planètes étaient alignées, et puis pour des raisons compliquées à expliquer aujourd'hui, le film ne se fera jamais. D'accord. Je voulais parler aussi d'une autre grande actrice qui vous a entouré, que vous avez rencontrée grâce au cinéma, c'est Vanessa Paradis, que vous avez choisie dans Une chance sur deux. Qu'est-ce qui vous séduit chez elle, mis à part évidemment sa beauté singulière? Mais je trouve qu'elle est, ce qui devrait être le fait de toutes les actrices, hein, et les acteurs aussi, elle est très inspirante. Et je me souviens quand on écrivait La fille sur le pont avec Serge Friedman, on avait une jolie photo noir et blanc de Vanessa punaisée devant notre table de travail. Et quand on n'avait plus d'idées, on levait les yeux, on regardait la photo et on se mettait à écrire. Parce qu'elle a cette espèce d'émotion vibrante, vibration de fragilité, de grâce, de charme, quoi. Et le charme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enfermer sous une cloche. Le charme, ça ne peut même pas se définir. Mais elle a ça, elle a l'œil qui pétille, quoi. Il y a un peu une guirlande derrière ses yeux, quoi. En tout cas, des idées, puisque vous évoquiez ça il y a quelques instants, vous n'en manquez pas, puisqu'en 2012, vous avez lancé Le Magasin des Suicides, c'était votre premier film d'animation. Et bien nous, on est allé rencontrer le producteur Gilles Podesta, avec lequel vous avez travaillé, et va nous raconter votre rencontre, justement, et aussi les beaux souvenirs qu'il a avec vous. J'ai rencontré Patrice Lecomte pour la première fois au téléphone, et je l'appelais pour qu'il réalise Le Magasin des Suicides. Et la conversation a failli se terminer rapidement parce qu'il m'a dit que c'était inadaptable. J'ai juste eu le temps de lui dire que c'était pour en faire un film d'animation. Et l'aventure a commencé et elle s'est terminée 4 ans plus tard. Le Magasin des Suicides a eu l'honneur de la sélection officielle. Alors, c'était mon premier film de producteur. Je pensais que c'était tout à fait normal d'aller à Cannes chaque mois de mai. En fait, je me rends compte que non. Donc, Patrice, merci beaucoup. Ce que j'apprécie énormément chez Patrice Lecomte, c'est qu'on a le droit de rire de tout, mais pas avec tout le monde. Alors, le moment qui m'a le plus marqué aux côtés de Patrice Lecomte est un moment un peu incroyable qui se passe une fois dans une vie. On était en financement du film et on était chez le plus gros producteur de cinéma français, dont je tairai le nom par courtoisie, qui manifestement n'avait pas lu le scénario. Et au bout de quelques minutes, Patrice, qui est un homme pressé, m'a pris par la main et m'a dit « Écoute Gilles, on va s'en aller puisque visiblement personne n'a lu le scénario dans cette pièce, on reviendra quand le scénario aura été lu. » Donc je l'ai suivi, je dois vous avouer que c'était un peu étrange. J'ai pu jamais retravailler avec ce producteur dont je tairai le nom, évidemment. Patrice a toutes les qualités du monde, mais je pense que sa plus grande, c'est vraiment la curiosité. C'est un homme qui est ouvert à tout, et du coup à tous les genres cinématographiques, aussi bien le documentaire, la comédie, le drame, et me concernant, le cinéma d'animation, et qui plus est, la comédie musicale. Alors Patrice, sache que je suis un de tes grands fans en tant que romancier. Je sais que tu ne souhaites pas mettre en scène les romans que tu as écrits, mais il faut absolument qu'on en reparle. Et pour finir, Patrice, un petit souvenir du Japon concernant Le Magasin des Suicides. Et ce petit souvenir, bien entendu, Patrice, regardez, je l'ai entre les mains, donc vous allez l'avoir dans quelques instants. C'est quoi, version japonaise, en fait, Le Magasin des Suicides. Et vous l'avez lu ? Non, je ne l'ai pas lu, mais par contre, c'est un petit message à vous lire qu'il vous a écrit, en fait, Gilles. « Cher Patrice, Rivabella est fait pour le cinéma. Avec toi aux manettes, ce sera un grand film. » Bon, et voilà, vous le remets. Je vais vérifier pour voir si la traduction est bien. Vous me direz tout ça. Et alors, pour faire chic, il faut commencer par la fin. Bien entendu. Parce que c'est le type qui lit un... Non, ça ne va pas. Ça sera difficile à comprendre. Vous avez justement écrit quelques romans, dont Rivabella en 2011, justement pour raconter des histoires que vous ne pouviez pas raconter au cinéma. Oui, ou que j'avais pas envie de... C'est très curieux. Il y a certaines histoires qui me trottent en tête et je me dis, tiens, ça, c'est plutôt un roman. Et quand on me dit souvent, mais pourquoi vous adaptez pas vos romans pour en faire des films, je dis bah non, puis c'est des romans. Et il se trouve que non, le prochain film que je fais, c'est l'adaptation d'un de mes romans. C'est pas Rivabella, donc. Ce sera lequel ? Podesta. C'est le dernier qui s'appelait, qui est une histoire d'ubiquité, parce que c'est très, très cinématographique.
Et ça s'appellera Les doubles vies de Monsieur Personne. Le bouquin s'appelait Louis et Lubic, qui est un titre qui est peut-être pas mal. Donc on invite celles et ceux qui n'ont pas encore lu justement ce roman, avant de découvrir le film, eh bien, à le lire. Mais puisque nous parlions de magasin avec le magasin des suicides, il y a quelques instants, en ce moment, est diffusé sur France 3 une série documentaire sur les boutiques en voie d'extinction. Vous endossez donc le rôle de documentariste dans cette série qui s'arrête donc sur 16 boutiques. Là aussi, c'est une grande première pour vous. Pourquoi vous avez finalement accepté de le faire ? J'ai accepté de le faire parce que c'est moi qui l'ai proposé. Donc j'étais obligé, parce que j'avais envie de faire ça. C'est-à-dire que souvent, je pousse la porte de boutique dont je me dis, il y a un charme, il y a un propriétaire, une commerçante, il y a à voir, il y a à filmer, il y a à garder une image de quelque chose qui va sans doute disparaître un jour ou l'autre. Alors, on va vous écouter justement, puisque vous êtes allé tourner en Centre-Val-de-Loire, à Chartres, dans la boutique de Véronique Déré, maître artisan en métier d'art. Elle fabrique, mais aussi répare donc des poupées malades. On regarde un extrait du tournage de l'épisode qui a été diffusé donc en novembre sur France 3. Et maintenant, allons voir Vanessa et Véronique. Ou Véronique et Vanessa. Bonjour. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Vous pouvez aller ? Oui, absolument. Entrons. On va faire des trucs et des machins. On peut se mettre là. L'endroit où on tourne, il est vraiment singulier parce que ça ressemble un peu à un musée. Mais c'est une boutique aussi et surtout, puisque tout ce qui est dans ce magasin est à vendre. Le moindre petit objet est à vendre. Tout est à vendre. Allez, moteur demandé, ça tourne son poupée neuf. Je trouvais que c'était plutôt pas mal quand Amélie Nothomb a été dans l'ombre. Le fait de voir toutes ces poupées, cet amoncellement de poupées, cette passion pour les poupées, les gens qui viennent et ces deux femmes inouïes qui sont des passionnées, d'un seul coup, ça force l'admiration. Et c'est coupé. Moi, une poupée toute seule, ça ne me dit rien, mais quand il y en a 350, ça dit quelque chose. Voilà, ces boutiques, notamment en Centre-Val-de-Loire, sont vraiment les mémoires de savoir-faire. Vous l'avez conçu comme ça, finalement, cette série de documentaires ? Oui, je l'ai conçu comme une image arrêtée, enfin un témoignage de gens. C'est une espèce de leçon de vie à chaque fois, parce que les personnes sont souvent, pas à passer de là, mais les personnes sont souvent un peu âgées et tiennent le coup quand même. C'est-à-dire que personne, des 16 boutiques que j'ai faites un peu partout en France, aucun des commerçants n'était dans la plainte. Ou dans l'amertume. Non, c'est ça qui ne baisse pas la garde. On voit dans le générique, on vous voit en dessin, on sait que vous êtes dessinateur, on l'a découvert au début de cette émission. Vous dessinez encore à vos heures perdues ? Oui, il m'arrive de dessiner encore, mais pas beaucoup. Enfin, c'est embêtant parce que moi, je suis très. Enfin, le générique, là, c'est pas moi qui l'ai dessiné, mais. Ce qui est embêtant, c'est que je suis autodidacte. Et donc, si je perds, c'est comme les gens qui ne font pas de piano pendant un an. Quand ils se remettent au piano, ils font des couacs. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Donc, si je me remets à dessiner, mais j'aime bien. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier message à transmettre aux habitants de la région Centre-Val-de-Loire en quelques mots ? Eh bien, restez dans cette belle région, parce que Paris, c'est pas terrible. Voilà, message est lancé. Merci, Patrice, d'avoir été avec nous dans Histoire 2. Pour ma part, évidemment, on va se donner rendez-vous très prochainement sur France 3, Centre-Val-de-Loire, pour de nouvelles histoires de personnalités qui apprécient, qui ont vécu ou qui ont de beaux souvenirs ici, sur notre belle région. À très bientôt. Merci. Merci.